Eh bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve sur Foundry, enfin on est de retour sur Foundry. On va continuer, je ne sais pas quoi, parce que je sais même plus où est-ce que j'en suis, mais on va continuer ce petit jeu très très sympathique. On va aller de plus en plus loin, il y a eu des mises à jour, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des mises à jour. J'espère qu'ils ont rajouté quand même pas mal de choses. Et on va voir déjà où est-ce que j'en étais et savoir ce qu'il faut faire. Hein, parce que pour le coup, moi je m'en souviens plus. J'ai une feuille où il y a marqué comme quoi il faut que je fasse des pièces de machine avancées. Et c'est possible. C'est possible. Donc on va voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Ça va mal, Lolo. Hop, donc on est ici. Je vais mettre les notifs parce que j'ai carrément oublié de mettre les notifs avant que Sub fasse débarque et fasse une oui, ça va très bien, ça va très très bien. Les notifs, ils sont mis. On va se mettre peut-être un petit peu de musique. Et on est parti. Alors, c'est B. Les trucs, c'est ça. Est-ce qu'ils ont rajouté d'autres trucs? Non, je pense pas. Il me semble pas. Il me semble pas. Ce que je dois faire, c'est du côté vert. Ah, je l'avais pas fait. Putain, je l'avais pas fait. Alors ça, autant il faut le 4. J'ai pas, mais ça, je l'ai pas fait. Comment ça, je l'ai pas fait? J'ai trouvé un truc que j'avais pas fait. C'est fou ça. Il faut le 4. Après, bon, il faut même le 5 un petit peu plus tard. Ça, on l'a. Ok. Ah, ça y était pas ça. Lumière portative. Intéressant. Ça aussi, ça y était pas. Câble de données. Ça y était pas. Ok. Bon, on a quelques trucs à mettre. La lumière portative, elle me trigger un petit peu. Hey, comment ça va, Reaper? La lumière portative, elle me trigger un petit peu. Pourquoi il me fallait des pièces de machine avancée? Ah, c'était pas pour les drones, ça? Les drones. Pièces de machine avancée. C'est pour ça. Et merci Malolo, 50 visionnages. Et tu rattrapes? Tu rattrapes. Ok, donc c'est bien ça. On était dans la fabrication de drones. Et si je me souviens bien, on était allé ici. Ça, c'était pour les poutres en acier? Je me souviens plus. Va falloir que j'aille voir. Il va falloir que j'aille voir. Ça, je l'avais fini et il me fallait un autre truc. Des pièces de machine avancée. Il me fallait quoi? Du xéno.
Attends, pièce de machine avancée, il faut que du xéno. Tu as vu apparemment la saison 2 de Once Human va être lancée demain avec les inscriptions. Ouais. Mais t'as vu pour la moto enflammée? Comment on l'obtient? Pièces de machine en flin, ça. Donc il me faut des plaques de xénoférite et des poutres en acier. Et ouais. Avec du. Ils ont fait ça en loot box. J'apprécie pas du tout. Je sais que le jeu est gratuit. Mais c'est abusé. Ils mettent un putain de beau skin. Et même si tu claques 1000 euros, t'es même pas sûr de l'avoir. C'est un petit peu dégueulasse. Oui, mais je m'en doutais aussi. Mais bon. Lumière portative. Du coup. Ouais. On n'a même pas fini la première saison, qu'ils veulent entamer la deuxième, tu vois, donc. C'est le truc qui me fait. Ils sont pas un petit peu différents, ces prises là? Ils m'ont l'air légèrement différentes. Ont l'air différents. Voir ce qu'il nous reste parce qu'apparemment il faut de l'acier là. Alors, est-ce que j'ai fabriqué mon acier ou pas? J'ai fabriqué mon acier. J'ai fabriqué mes poutres en acier. D'accord, c'est pour toutes les pièces de machine et j'ai fait deux colonnes différentes. Ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. Donc l'acier, c'est fait. Il me reste plus que les pièces de machine avancées. Donc l'acier, c'est bon. Il faut juste que je fasse du gravat de xéno que je transforme en minerai. Et c'est ici. C'est ici. Donc, composants électroniques, on les a, ils sont là. Pièces de machine avancée, c'est ça plus ce que je vais faire. Cellules d'énergie, elles sont de l'autre côté et les circuits imprimés sont juste à côté aussi. Merci Chris. Mais pas de soucis Chris, pas de soucis Chris. Comment tu vas? Ouais, dans ta wishlist, il est très très bon. Il est très très bon. Du coup. La lumière portative, elle me trigger un petit peu. Qu'est-ce que ça va être? Où est-ce qu'on chope? Je voyais plutôt ici, moi, la lumière portative. Hein? En préparation du live de ce soir, vers 21h, toi? Ok. Tu vas aller sur quoi?
Ouf la lumière, ouais. Du coup. Alors j'ai encore trois trucs. Lumière 3. Plafond de lumière. Câble de données. On va lancer ce qu'on peut, hein. On va lancer ce qu'on peut. Les circuits imprimés, on les a. Les circuits imprimés, on les a ici. Les cellules d'énergie. Les cellules d'énergie arrivent là, me semble. Donc il va falloir que je les fasse passer ici, que je les fasse remonter là. Et on va faire la fabrication de drones juste à côté, là. Je pense que ça va être l'idéal. Je pense. Tu penses quoi si tu le compares à Satis dans les recettes? Alors, c'est complètement différent de Satis. J'ai pas vu la différence après avec la dernière mage. Ils ont peut-être changé. Je sais pas. C'est pas du tout la même chose sur ce jeu-là, par exemple. La map est complètement procédurale avec une graine. Donc, chaque partie peut être complètement différente. Le monde entier est complètement destructible. Alors, les filons, au début, ont une limite, bien sûr, d'exploitation. Après, une fois que tu atteins un certain palier, alors je te parle vraiment de la fin, vraiment la fin du palier. Donc, tu as ici les tours de forage. Ceux-là. Ok. La tour de forage. Et c'était quoi déjà? Non, c'est la tour de forage. Les filons de minerai peuvent être convertis en sources de minerai infinies grâce à l'utilisation continuelle de la fructuration. En fait, une fois que tu as la tour de forage, tu as le minerai infini. Mais faut aller loin, faut y aller quoi. Pour l'instant, moi j'en suis ici. Il va manquer tout ça. Après, il faut bien sûr le pack scientifique 5. Faut poncer le jeu. Faut y aller. Faut de l'olumine pour la fructuration. D'accord, ok. Ouais, mais ça se fait l'olumine, ça va. Celui-là, il va falloir le 4. Ok. Donc, du coup, il va falloir que je les avance. L'acier est de ce côté. Donc, il va falloir que je passe ici, que je passe en dessous pour fabriquer de ce côté. Ou sinon, ça, je le fais passer en dessous et je le fais passer ici. Repenser à Echo, je sais pas si tu connais dans la. Oui, bien sûr, je connais très bien Echo. Pas très bien. Je connais Echo. Donc, au niveau de ce qu'on a, au niveau des fonderies, il va m'en falloir 24. Mais pas assez. 10 broyeurs, j'en ai 8. Donc on va en faire deux de plus. Deux de plus. On a les broyeurs. On a les. Alors on en a quatre. Il m'en faut combien? 400 gravats. Alors techniquement, ça devrait suffire. Au pire, la fabrication sera légèrement ralentie.
Minecraft niveau graphisme. Ouais, parce que c'est un. Il y a quelques cubes quand même. Mais bon, c'est quand même pas mal différent. Merde, j'avais assez de broyeur. Quel con. J'avais assez de broyeur. Je m'étais trompé de colonne. Assembleuse MK2. En feu 8. On sait 320 gravats de xéno. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. C'était Shades 2. Non, c'est quoi ça? Du coup. C'est combien de. D'acier? 240. Le tapis MK2 que j'ai, c'est du 320. C'est du 320. Coucou mon siop, un jeu similaire Foundry et Satis. D'accord. Connais pas. Alors on va extraire ici. On va transformer ici. Et ensuite on l'amène là. Je veux bien, Rip, je veux bien. Salut Kivaron, comment on va? Ouais, ça va bien. J'en suis où? Là, je suis arrivé. Je suis arrivé. Oh putain, il est loin. Il est loin. Et on salue Alors, tous les connards qui sont vaut mieux nombreux. que je fasse un petit peu avant. Comment ça va, Tal? Vaut mieux que je le fasse un petit peu avant. Alors attends. On va mettre l'ascenseur ici. Mettre l'ascenseur là. Allez. Oh le nain quoi. Ouais, ça va bien. Ça va très bien. J'ai un ascenseur moi? Bon, c'est pas ça. Crois que j'ai pas d'ascenseur. Pas. On va mettre deux ascenseurs.
Donc, on devrait pouvoir le mettre là, même là. Donc, il me faut un de plus. Comme ça. Aller. Donc on va positionner le haut. Là, on est bon. Donc, on va se mettre ici. Donc, on va se mettre dans l'angle. On a le temps, hein? Merci Kivaron, merci beaucoup. Merci Rip. Je regarderai ça tout à l'heure. A plus Kiki, merci pour le lurk, merci, merci beaucoup. Et bon live. Ok. Alors. D'accord, ok. Combien 320 de gravats MK2 c'est 320 hein. 320 donc on a besoin que de une ligne.
Salut Fanfan, comment il va? On va aller jusqu'au minerai. Ouais, tranquille. Falloir que je refasse des tapis. Je suis perdu sur Empyrean Galactique. Allez. Ah, je l'ai fait une fois, on est allé le plus loin possible. Mais bon, après, c'est pas un jeu qui me. Enfin, qui m'a plu plus que ça, en fait. Salut Anno, comment tu vas? Il y a de très bonnes idées. Mais je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Space Engineer, c'est pire encore. C'est parce que il faut te bouffer plein de tutos et faire plein de tests pour commencer à apprécier le jeu, mais il faut au moins 20 ou 30 heures, quoi. Il faut 20 ou 30 heures de jeu pour vraiment bien connaître le jeu et pour commencer à faire des trucs vraiment chouettes. Et ça, c'est trop, en fait. C'est très complexe, il y en a beaucoup qui aiment, hein. Je les comprends, hein. Mais c'est trop complexe pour moi. Moi, je joue pour le fun avant tout et je peux bouffer 20 ou 30 heures de jeu pour commencer à s'amuser. Ça fait un petit peu long. C'est ça. C'est comme là, je cherchais un jeu auquel. Parce que bon, j'ai fait pas mal d'enregistrements, je vais continuer encore pas mal de fois. Parce que je fais un gros let's play sur Assassin's Creed Odyssey. En off, hein, de mon côté. Et ce qu'il y a, c'est que. Ben, j'avais plus envie de faire d'enregistrement et le montage, je le fais vraiment à la fin. Et le truc, c'est que je savais pas quoi jouer. Et. Tous les jeux qui me hype et que j'ai vraiment envie de jouer, ben en fait c'est des jeux que je veux faire en let's play ou en live.
Et là, je voulais faire un petit peu de jeu tranquille. Et je me suis souvenu d'un jeu qui était moyennement, hein, qui était vraiment moyen. J'avais fait la démo en live. C'était Forest Ranger. Et le dev m'avait filé une clé. Et bon. Et en fait, le jeu est sorti officiellement. Il n'y a pas de early, c'est fini. Eh ben, le jeu est autant pété qu'à la démo. Il y a des trucs qui vont pas du tout. En fait, je pense qu'il a sorti la version comme il a pu et il laisse tomber le jeu. En fait, je crois que c'est ça. Après, si le mec est tout seul, je peux comprendre, hein, tu peux pas tout faire tout seul. Mais bon, ça fait un peu chier pour ceux qui ont acheté le jeu. Mais bon. Ouais. Avant de Space Engineer, je me suis commencé une game cet après-midi. J'ai vu une vidéo d'un gars qui a fait un train. Je vais essayer d'en faire aussi. Oh yes. Salut mon Willow, comment tu vas? Tectonica, tu as les tests? Oui, on est allé au bout. On est allé au bout de Tectonica il y a presque un an, je crois. Il venait quasiment de sortir. Ou c'était début d'année. Et on va y retourner dessus, mais je préfère attendre qu'ils fassent encore des mises à jour. Là, ils nous ont foutu quand même pas mal de trucs pour faire du design et tout. Je voudrais. Parce que j'ai pas envie de refaire 5-6 fois le même jeu en attendant à chaque fois les mises à jour. Alors, on peut continuer notre. Qu'on avait fait nous, de notre côté. Mais je crois qu'ils ont changé énormément de choses. Ça serait cool de refaire une game pour le coup. Pour savoir vraiment les modifications qu'ils ont fait. Mais pour ça, je préfère attendre en fait. Je préfère attendre. Tectonica, il te fait de l'œil? Il est bien, hein? Il est bien. J'avais vachement apprécié. Il y a de nouveaux matériaux. Ouais, je sais qu'ils ont rajouté encore beaucoup de choses. Et tu vois, je préfère qu'il évolue encore plus. Parce que tu vois, c'est un jeu un petit peu comme. Alors, c'est dommage qu'il soit toujours en solo parce que le dev, il veut pas le faire en multi, malheureusement. De quoi, c'est quoi comme jeu? Ah, qu'on est en train de. C'est Tectonica. De nouvelles foreuses qui pour moi ne sert à rien. Et en fait, il y a un jeu comme Infected, par exemple, que j'ai fait. J'avais poncé le jeu avant qu'il refasse une refonte avec la nouvelle map et tout, qui a rechangé encore. C'est quoi comme type de jeu? De quoi Tectonica? C'est comme celui-là. Mais à part que c'est un petit peu plus poussé. Parce que c'est tout sous terre. Donc tu vois jamais la lumière du jour. Tu creuses des galeries à plus savoir qu'en faire. Mais très sympa. Vraiment très sympa, j'aime bien. Ce qui gênait un petit peu, alors je suis pas claustro, mais ne pas voir la lumière du jour pendant trop longtemps, au bout d'un moment, j'aime bien voir de temps en temps la lumière, quoi. Mais bon. T'as vu le jeu? Il y a Reaper qui me l'a send tout à l'heure, là, il faut que j'aille voir. Il y a différentes maps maintenant, ok. Ça a l'air bizarre. C'est différent. C'est différent. Il y a déjà un lore et tout dedans. Il y a de la recherche. C'est pas mal. Ça reste pas mal. Alors.
Ah, il a mis en surbrillance le minerai quand on veut poser ça. Ok. Pourquoi pas? Pas nouveau. Sérieux? Ça, j'avais jamais remarqué. T'es sûr de ça? Moi, je l'avais jamais vu, hein. Sinon, il y a mon filleul qui me tanne pour jouer ensemble à Overcooked 2. C'est marrant comme jeu. C'est très marrant, Siop. Willow. J'ai vu que des vidéos, hein. Mais ça a l'air très fun à jouer. D'accord. Mal. Alors, il va falloir que je remonte par là, moi. C'est peu ça. Boudin. Ok, donc il va me falloir 8 broyeurs, 16 fonderies, 8 assembleuses MK2. J'ai déjà tout dans mes sacs. Et on doit aller jusque-là. Donc, on va se faire des lignes dans ce sens. Non, là, c'est que du temporaire. Minerai pas infini. Pour l'instant. J'avais relancé une tâche. Non. Cassez-vous les arbres.
Ok. Donc théoriquement, il me faut les broyeurs. Alors j'en ai deux de plus, hein. Le minerai, on va le faire sortir sur le côté. On va le faire passer là. Donc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Ok. Quand tu veux goûter aux soupes de Satis, c'est long les construire dans les... Dans... Sans... Ouais. Ouais. Configuration, c'est du minerai. Minerai de Xeno. Ok, ça c'est bon. Et donc il va m'en falloir un. Putain, je crois que j'ai pas assez. Que je reparte. Je vais en profiter pour relancer un truc pour notre vaisseau orbital. On va voir, hein. On va voir. Hein. De toute façon, j'ai plus de cheveux déjà, donc au moins sur ce côté-là, je risque rien. Hein. Je vais relancer d'abord ça. Hop, hop. Alors, on a quoi? Communication. On a quoi? Disponible 5. Requis énergie 20. Donc, je vais relancer ça. Matériaux de construction 2500. J'ai pas de recherche là. J'ai pas de recherche. Hop. Des escalators. Ah si. Pourquoi la recherche elle s'est stoppée? J'ai fait une connerie, c'est ça? C'est quoi ça? Source de données? Le but de ce jeu, c'est comme Satis, tu veux construire des items et les envoyer dans l'espace. T'as merdé quelque part? Non. Manipulation de données.
Oh là là, ils ont complexifié encore le truc là. Bon, on va faire déjà des lumières. Hein. Même si c'est de la merde. De toute façon, après, on fera un petit peu de design. Hein. Alors après, une fois que j'aurai tout débloqué. Hein. Donc, je vais en faire une trentaine déjà. Ouais, ça va être bon ça. Une fois qu'on aura tout débloqué et qu'on débloque les minerais infinis, on va se faire un truc. Ça va être bien sympa. Ça va être vraiment bien sympa. Bon, là, ça devrait être quand même assez simple à mettre en place. Hein. Ça devrait être assez simple. D'ailleurs, ça me fait penser. On va se faire un petit peu de tapis MK2. Non, alors au début, les minerais s'usent. Et à un moment donné, dans l'arbre des technologies, quand tu arrives vers la fin, tu débloques la tour de forage. La tour de forage, c'est un item qui sert justement à créer du minerai avec du minerai. Donc au bout d'un moment, c'est complètement infini. Mais c'est gigantesque. Au début, les minerais s'usent. Mais la map est infinie. La mode Minecraft, la map est complètement infinie. Donc, t'as aucun problème. Alors, faut que t'ailles de plus en plus loin ou que tu déplaces ta base, mais bon. Ça, au bout d'un moment. Du coup, on va faire une sortie. On va se faire du tapis. Non. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le minerai n'arrive pas? Ah, mais putain, quel con. C'est où que j'ai... J'ai pas descendu où j'ai pas. J'ai pas fait ma colonne. Pas fait ma colonne pour faire parcourir l'énergie. Parce que l'énergie, anneau, parcourt le sol, en fait. Alors t'as des pylônes, t'as des trucs, tu peux faire des ascenseurs passer le courant à travers l'ascenseur lui-même. T'as plein de trucs, mais le plus simple au début, c'est de faire une colonne de fondation, tout simplement. Ça fait un petit moment que j'ai pas été sur le jeu, j'ai perdu un petit peu l'habitude. Il était assez profond celui-là. Ok. C'est connecté. Ça devrait pas tarder à arriver.
Ouais, c'est ça, Anno. Après, tu as des machines où tu peux pas les alimenter via le sol. Tu es obligé de créer des transformateurs et tout. Il y a des trucs plus complexes encore. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va créer donc 320 minerais de xénophérite. Ça, c'est bon. Il nous faut 16 fonderies pour les transformer. Donc si je les fais comme ça, je les fais repartir dans ce sens, revenir ici. Tama. Bonjour, monsieur Tama. Un peu peur. Donc le tapis vient là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il faut que je rajoute un petit peu plus derrière encore. 1, 2, 3. Ok. On va attendre encore un peu parce que c'est très très profond. Disons que je refais. Donc, ah, c'est bon. Ça arrive. Donc là, on fait une sortie à partir de là. Ensuite, on fait une entrée. Là. Allez. Comme ça. Alors. Ça va, tu t'en es sorti avec tes rebords d'hier? Est-ce que t'as déjà passé une très bonne nuit? Ouais, ça va. Donc, on va mettre du tapis dans ce sens. On va le faire tourner. Jusque-là. Celui-là, on va le passer là. Celui-là. On va le placer là. Ah, regardez-moi cette pollution. Ça va, Groupinette? Le rond-point infini. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, il va me falloir. Un petit peu plus de ça. On va attendre qu'ils finissent les tapis. Hein. Tu ne peux pas mettre
en quinconce au lieu de faire une boucle. Ah, tu veux dire comme ça? Alors, je fais ça comme ça parce que au milieu, c'est là où je vais tout extraire. Et au milieu, je vais faire en quinconce. C'est juste pour ça. Ah, tu veux dire ici? Non, non, j'ai pas envie de me faire chier. Mais bon. On aurait pu, hein. On aurait pu. On aurait largement pu, mais... Ça devrait aller. On a de la place, on en profite. Non, pourquoi je suis tombé? Réviser pour les piliers? Ok. Bon. J'ai 8 assembleuses MK2 à passer. Ah, par contre, ah non. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Je suis obligé de les reculer. Merde! Ah fuck. Obligé de les reculer deux, hein. Cette recherche. Parce que je dois transporter 480 plaques. Et moi, mes tapis MK2, c'est 320. C'est 320. Donc résultat, on doit le mettre comme ça. Obligé de le faire en décalé comme ça pour deux tapis. J'ai obligé de faire deux tapis, j'ai pas le choix. Il y a une nouvelle recherche, est-ce que je vois? Oui, il y en a quelques-unes, oui. Ces deux-là, ils n'y étaient pas. Je sais pas à quoi ça va servir. Ça verra bien. Garde un stack au cas où si je dois me faire des escaliers. Le minerai de xénophérite. À l'inventaire. Hop. Ah non, je peux pas. Ok. Bon, là c'est quasiment plein.
Ça fait un bordel. Sortie. J'ai vu s'ils ont ajouté des transporteurs de fluide. Non, j'ai pas vu ça. Les transporteurs, ils étaient par là. Vaisseau cargo liquide. C'est bon. Alors du coup, t'as une autre aire d'arrivée en plus. C'est ça que tu voulais? Ok. Donc, il va me falloir un petit peu plus de place. C'est la dernière recherche qui me reste. J'ai plus de fond d'art. Va falloir que j'aille en chercher. Donc, on va le diviser en 4. Donc, là, il me faut des pièces de machine. Pièces de machine. Je vais aller chercher des fonds d'art. Je vais en avoir besoin. Tu m'étonnes que les tuyaux, c'est chiant au bout d'un moment. T'excites pas. D'ailleurs, c'était où? Non, c'était pavé. C'était. C'était quoi pour les quêtes F1? Qu'on voyait les quêtes. C'est où est-ce qu'on voyait les quêtes, Rip? Ah, je m'en souviens même plus. Que hormis lui parler à lui. Ah ouais, t'es obligé de lui parler? Nouvelle tâche, tâche active. Les lumières, construire 5 lampadaires. Chier que c'est l'entraîneur.
Extension de quai de chargement. Agrandir le quai de chargement nous permettra de stocker plus de produits en attendant d'être vendus. Donc j'ai 30, on va balancer celui-là. D'accord, ok. Putain, je m'en souvenais plus. Il me semblait qu'il y avait une fenêtre. Les fonds d'art. Devrait aller ça. Pense à faire le. On sait, pense à faire le scanner. Là-dessus? Quel scanner? Ah, le scanner, oui, pour voir tout ce qu'il y a autour de très loin. C'était quoi ça? Pourquoi j'ai ça, moi? C'était pour faire mes calculs à la con. Ah non, c'est parce que j'avais les sacs pleins. J'avais les sacs pleins, je les ai mis à l'arrache. On se souvient. Scanner modulaire. C'était dans quoi déjà? Scanner à longue portée. Kilowatts. Ah ouais. Pas combien moi en énergie? Statistique réseau. Non, oh kilowatts, ça va? Je fais des mégawatts. On va le poser maintenant. Il faut un. Après, on a des piliers ici, hein, donc. Tira. 100 cases à la ronde. Ouais, c'est quand tu parles de cases, c'est une case comme ça. Ou une case comme ça. Une case comme ça, peut-être? Sans casse, c'est pas mal. Hein. Une petite, hein. Ok. Sans casse, c'est bien. On va le poser, hein, comme ça c'est fait. Et ça te révèle toute la map aussi, alors. Je suppose. C'est bon, il arrive. Oh la vache. Mais c'est quoi ce scanner de taré? Je m'avais pas prévenu. Hein. Et où est-ce que je vais foutre ça, moi? Ça va, hein? Fait combien?
Ah, faut le construire maintenant, c'est ça? Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Portée d'analyse 40 morceaux. Matériaux de construction 4000. La vache. L'abruti qui est là, c'est moi. Oui, je vais le monter à fond, bien sûr que je vais le monter à fond. Ok, 100 morceaux. Atteint la quantité maximale. Ah, d'accord. Ouais, mais je ne sais pas de quel côté, du coup. Ah, c'est le bordel. Pourquoi je peux pas commencer la construction? C'est quoi? Consommation d'énergie. À 5,5 mégawatts. Pourquoi j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai... Où est-ce que je me suis planté? Tout est relié pourtant. Statistiques du réseau. Peu importe dans lequel des trois je peux. Attention. Non mais je suis large. Bon, ça, j'ai pas assez de watts. Je vais en rajouter un alors. Pas me casser les couilles, hein. Oh. Fais le malin, Siop, fais le malin. La prod est foireuse, mais pas du tout. Là, je suis directement dans le rouge. Bon, je verrai ça après. Je verrai ça après. Je veux d'abord finir ma ligne de prod. Que je regarde ce qui me reste au niveau de la prod. Pour l'instant, je veux faire finir au moins ça et que je commence à construire les drones. D'ailleurs, mon plan pour faire les drones, je me souviens même plus où est-ce qu'il est.
Je vais faire passer les deux ici. Le deuxième là. Il va y avoir 240 pièces. Ok. Mais pas du tout, quoi. Même pas vous avez fond en moi. Où ça? Bon, plus d'une fois, je vous ai montré que vous aviez raison. Une raison. Merci Lolo. Là, j'avais fait ça et donc enfin, bordel, c'est merde. C'est fou ça. Attends. Simple. Où est ma pierre? Voilà. L'escalier des familles. Merci, monsieur Tama. Merci beaucoup. Un, deux, un, deux, un, deux. Ouais, ça diminue un peu. Sortie. Ça pète les oreilles. Hein. Ok, voilà. Ça se passe plutôt bien, non? Pierre, présent. Donc ça, on est bon. Maintenant, il me faut l'acier de là-bas, donc. Cette prod, on va la faire passer en dessous, la faire remonter au-dessus. Et on va fabriquer les pièces de machine avancée. Non, j'ai fait un truc foireux. Faut que je la recule d'une case encore. Ils sont relous avec leurs limites là. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. J'avoue. Puis en bas de défaut, mais d'une case. Oui, monsieur Tama, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que... Là. Je dégage. Donc...
Ouais, mais parce qu'en fait, je m'étais basé sur le nombre de pièces de machines avancées, et on est sur les pièces de machines. Et il me faut deux tapis pour les pièces de machines. Non, c'est le. En fait, c'est le nombre d'items par rapport au tapis, ce qui peut endosser le tapis. Parce que là, je vais fabriquer 480 items et mon tapis MK2 peut en transporter 320. Donc, je suis obligé de faire deux tapis, quoi qu'il arrive. C'est juste ça. Ah, les MK5, il n'y a pas les MK5 sur celui-là. C'est bien dommage. Pas là. Maintenant, on va placer. Alors, je dois peut-être pas en avoir assez. Bonsoir, Alex. Je plains les voisins pour le marteau piqueur. Salut, Rav. Non, ça va bien se passer. Très très bien se passer.
Bah écoute, on a vu qu'il y avait des nouveaux items et tout, donc j'ai pas encore testé les items. Je ne sais même pas encore à quoi ça sert encore. J'essaie de continuer un petit peu la game. Donc. Là, on est bon. Il me fallait combien de... Putain, je sais même pas combien il me faut de machines, moi. Il va me falloir encore des tapis, hein. Ah ouais? Sur Foundry? Alors là, on n'a pas d'avance sur YouTube, hein. Là, ce qu'on est en train de faire ce soir, ça sera la rediff de lundi, donc dans 2 jours. Mais là, normalement, la semaine prochaine, je vais faire du Foundry certainement lundi. Je reviens dessus lundi et samedi. Histoire de reprendre un petit peu d'avance, parce que si je pars en vacances ou j'ai un empêchement pour un soir, bah du coup il va y avoir une semaine qui va sauter pour le Foundry et j'ai pas envie. GG ta main. À l'épisode 2? Oh attends, ça va. Là on est à l'épisode combien? Bah, là c'est le live. 10. Alors, la PMK, il m'en reste. Ah, il m'en reste un petit peu, je vais en reprendre. De la saison 50. Des vacances, mais tu n'as pas besoin de vacances. Dis tout de suite qu'on te fatigue. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai plus de recherche à faire pour le coup. Voilà. Ça peut encore attendre, je pense. T'es allé jusqu'à combien de... Et quand est-ce que tu parles de ton projet dont tu as parlé en live? De fin d'année? Bah ben, en fin d'année. Projet raclette. Ah non, ça c'est bientôt ça. Je vais pas pouvoir attendre la fin d'année.
Du coup, alors attends. Pièces de machine avancée, ça va être les assembleuses MK2, mais je sais pas combien il m'en faut. Je vais en faire 5. Là, tout est bloqué, donc je peux changer. Hop. Donc 2 pièces de machine. Donc il m'en faut 12. Il m'en faut 12. Falloir 12 de ça. Douze. On va les balancer de ce côté, hein. Non, on va les balancer en long. On va les balancer en long. Alors on va les faire bifurquer. On va mettre les assembleuses en ligne. Comme ça, on les ressort directement ici. Ouais. Va être pas mal. On va se faire un petit peu de place. Pas tout faire. Voilà. Juste assez pour me débarrasser des tapis MK. Des bisous à nous. Bonne soirée. Donc, il faut que je les mette comme ça. Il va me falloir en plus comme ça. Hein, vaut mieux, hein. Alors, ça comme ça. Comme ça. Pas du tout. Chaque fois je me fais chier, il faut que je décale de 1.
Est-ce que j'ai du... La troisième voie. Ah, j'en ai 6. C'est ça. De ça. Donc et 6. La deuxième fois, il m'en faut 2 de plus. Alors... il est où? Deuxième voie. Voilà. Pour programmer. Ok.
Ok, bon, on va faire la place le temps que les tapis y arrivent. Ce soir, on commence à fabriquer les drones et on se fait la vente en auto. Ça sera déjà pas mal. Et ensuite, on va voir pour booster un petit peu l'énergie. Je vais voir de l'autre côté un petit peu pour savoir si je peux ou s'il faut que je me fasse une autre station électrique. On va voir. On va voir. Là. Et donc ça va être à peu près à partir de là. Va falloir installer les nouvelles machines. Donc niveau des drones, c'est dans les assembleuses. Voir combien il va nous en falloir. À mon avis, je crois qu'il nous en faut quand même pas mal, hein. Vingt-quatre, donc il nous en faut 10. Il nous en faut 10. Je vais en faire 5 juste après.
Jamais assez de tapis MK2. Hein. Donc ici, on a les circuits imprimés. On a les circuits imprimés. On en a deux fois plus, hein, je crois. On a quand même pas mal. Les cellules d'énergie, elles sont là-bas. Donc il va falloir les faire revenir. Donc là où on va s'amuser, c'est que il y a 4 items à faire passer. Et en fait, sur un côté, il n'y en a que 3. Donc il va falloir les écarter pour en faire passer un sur le côté. Ah, ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est juste pour m'embêter qu'ils font ça. Que je sache, je pense que les cellules d'énergie, je vais les faire arriver ici. Je suis hauteur 135. On va voir à quelle hauteur on est de l'autre côté. Donc cellules d'énergie, elles sont ici. Et je suis à 130. Que je les fasse passer un petit peu sur le côté. Donc 31, 32, et il m'en faut encore 3 comme ça.
Une belle ligne maintenant. Il n'y a plus le dessous comme ça. Ça a été comme ça, Reaper? Comme quoi ça fait une belle pente comme ça, tout droit et sans le morceau. Il semblait que c'était pas comme ça avant. Ouais, c'est comme ça? Ouais. À demain, monsieur Tama. À demain. Passons une bonne nuit. J'ai pas le sol en dessous. Le temps qu'on mette les tapis, je vais voir pour la position des assembleuses. Alors je vais les mettre comment? En ligne comme ça? Ouais, je vais les mettre en ligne comme ça. Donc là, ça arrive directement ici. On va bien les espacer.
Normalement, ça devrait le faire. Prendre quoi faire des tapis. Donc
Putain, Sia Parrette. Fais peur aux gens. Pas bien ça. Donc, ça, c'est les cellules d'énergie. Lui, on va le faire arriver là. Bon, on va le faire bifurquer pour qu'il soit ici. Ça, donc il va nous falloir 10 comme ça, 10 comme ça, 10. Salut Malézor, comment ça va? Comment il va? Donc, deuxième bois. Deuxième fois, c'est bon. Donc ça va aller ici et ça va être là. Là ensuite on a les câbles. On a les câbles qui vont arriver. On se mettre ici. Voilà. Un peu le bordel, mais bon. À devoir l'opératiner sur Foundry. On fera pas l'opéra, mais on fera un joli truc, hein. On essaiera de pousser vraiment pour faire une méga base de fou. Ça va être plutôt sympa. À l'envers, hop. Donc, bonne nuit mon Reaper, je te dis à demain. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Donc ici, on fait du drone. Tu n'avais pas envie de faire des usines pour faire des tapis MK2. Là où j'en suis, franchement, c'est après j'ai les tapis MK3, je vais peut-être automatiser les tapis MK3. Tu peux pas automatiser la production des tapis MK3. Ouais, je sais, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas assez de matériel et pas assez, j'ai plus de place en fait. J'ai condensé un petit peu le tout. Le problème, c'est que j'ai quasiment épuisé mes filons que j'ai de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je voudrais finir ça. Justement pour faire les recherches
qui vont bien. Après, j'ai l'exploitation de pour les filons. Et c'est à partir de là où on va avoir du minerai en pagaille. D'après ce qu'on m'a dit, ça, c'est pas trop compliqué à faire. Non, elles sont pas illimitées. Enfin, elles sont pas illimitées au début. Après, une fois que tu as la tour de forage, en fait, la tour de forage, en fait, te permet d'extraire au niveau des filons. Les filons, c'est d'énormes gisements. Et en fait, ça va te mettre les minerais en mode infini. La tour de forage, c'est ça. Ça va te faire les minerais complètement infinis. Alors, il te faut une ressource pour les faire fonctionner. Mais la ressource, je veux dire, t'en as pour des milliers d'heures à ce niveau-là. Donc, normalement, ça va. Et en fait, le but, c'est de terminer le pack scientifique 4 pour aller jusque là, débloquer ce qu'il faut. Donc il me faut la partie de robot, c'est ici. Il me faut les pistons hydrauliques. Les pistons hydrauliques, ils sont où les pistons hydrauliques? Je les ai déjà les pistons hydrauliques ou quoi? Comment ça se passe? Ah non, ils sont là. Poutre olumine, feuille de firmalite. Non, tu peux pas faire de game over, la map est infinie. La map est infinie, il n'y a pas de limite. Donc elle est procédurale, la map. Donc tu peux aller mais tellement loin, c'est complètement abusé. Donc les ressources sont infinies sur la map, parce que la map est infinie en elle-même. Et le but, justement, c'est de débloquer la tour de forage. Pour commencer, une fois que j'ai ça, au niveau de la tour de forage, je peux avoir déjà commencer un gros starter pour commencer vraiment à produire en quantité énorme, en fait, les produits que je veux pour construire, justement. Les tapis MK3 qu'on va avoir. Je sais pas s'il y a les tapis MK4. J'ai pas vu. Bien, c'est ça, c'est G. On a les tapis MK3 ici. Donc il faut les convoyeurs MK2. Donc on va devoir les automatiser. Pour les convoyeurs MK2, il faut les MK1. Avec les pièces de machine avancées et des circuits imprimés. Et là, on va pouvoir vraiment automatiser vraiment tout pour la construction. Vraiment absolument tout. Mais il me faut la tour de forage. Il me faut absolument la tour de forage. Là, il me faut de l'air, du gaz d'alumine et de l'eau. Ça va. C'est comme si tu étais encore en train de faire ton starter. Exactement. Exactement. Tu vois, moi, quand je fais mon starter sur Satis, il faut que j'aille jusqu'à l'acier. Une fois que tu as l'acier, tu peux avoir tout le nécessaire. Enfin, moi en tout cas, pour faire mon starter et commencer la bonne production pour pouvoir aller vraiment au endgame et faire après du design, faire vraiment les très grosses productions. Mais avant ça, c'est là tout ce qu'on construit en fait, c'est que de l'éphémère. Tout va être détruit, absolument tout. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas trop non plus. Vraiment sur des trucs comme ça pour l'instant. Du coup.
Un peu des deux, mon cher Willow. Un peu des deux. Donc... chaîne. Sûr, j'en ai effacé un de trop. Alors, c'est là où être le truc relou à placer. On va mettre c'est quoi, c'est un bateau, c'est ça? C'est ça, hein? Mais carrément, Lolo, carrément. Alors, priorité de ce côté.
le placer là? Ok, donc on a mis la priorité à la sortie de la première machine. On va attendre. Là, on va avoir une sortie. On va la faire bifurquer ici. La bifurquerai avant. Je la bifurquerai avant, on mettra le tapis dessus là. Ça on atterrira pile devant. De toute façon ça va me gêner. Ok. Bon, normalement, ça devrait fonctionner, hein. Je dis bien normalement. Il peut arriver. Sachez-le. Alors j'ai pas mis de stockage parce que de toute façon on est censé utiliser vraiment ce qu'on produit là. Les cellules d'énergie, limite je pourrais en mettre peut-être un petit peu de côté. Pour l'instant. On va faire ça comme ça. Bon, maintenant il va falloir faire venir ça là-bas. Ouais, pas assez de tapis, hein, mais on va le faire venir aussi loin qu'on peut. Et après les drones, il va falloir les emmener sous terre. Et pour les vendre en mode automatique, pour pouvoir faire justement les packs scientifiques 4. Putain, j'étais loin. Oui.
Après, ici. Bon, là, c'est plein, il sort pas, mais bon. On commence à en avoir de moins en moins. À certains endroits, il n'y a plus rien. Ici, j'ai dû tout délocaliser. Alors, l'acier, j'en produis même plus. L'acier, j'en produis même plus. Ça, c'est tout ce qui me reste. J'ai d'autres endroits où j'en fais, hein, heureusement. C'est lequel pour la vente? Je crois que c'est celui-là. Non, ici c'est pour la construction. J'ai les trucs qui descendent là. Attends, c'est plein? Comment ça, c'est plein? J'en produis beaucoup trop en fait. Non. Sol. Bien sûr, Malaisor. Bien sûr. Tu ne perds rien, comme dans Satis. J'ai 25 000 matériaux de construction. Ça va. Et pour la vente, c'est dans lequel? C'est celui-là. Il va falloir que je fasse les drones, les faire arriver ici, en fait, dans cette machine, pour pouvoir les vendre. Et on réceptionnera la firmalite ici. Là, j'en ai 140. Parce qu'il me faut les barres de firmalite. Les cellules d'énergie, il va m'en rester. Il va m'en rester 120. Les circuits imprimés, il va m'en rester 120. Donc, il va me falloir des barres de firmalite. Il va m'en falloir 40. Ça va. Mais normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Là, si je veux, je les construis à la main sur moi. Mais bon, le but, c'est d'automatiser ça. Hein. Alors ici, pour l'instant, j'ai fait vraiment le minimum du minimum. Hein. C'est pour ça qu'il y a des couloirs un petit peu étroits. Il est multi le jeu. Il est multi. Je sais plus à combien on peut jouer max, mais il est multi. Il est multi, il est en français, il est extrêmement stable. La personne qui l'a fait s'est arrachée dessus. Et franchement, chapeau à lui. Hein. Chapeau à lui. Il a fait du très très bon taf. Hein. Ça. Ça va.
Voilà, je me fais une bonne partie dessus. Après, je ferai... Alors, j'attendrai qu'il rajoute quand même quelques trucs. Mais après, je ferai certainement que du multi dessus. On y est presque, hein. On y est presque, hein. Non, quand je suis sur le rebord, on n'entend plus mes pas. Donc les cellules d'énergie, il va falloir les diviser en deux à un moment donné. Ça, bon, j'ai un stockage. Limite, je ferai même peut-être un stockage. J'ai un stockage sur moi ou pas? Pas du tout. Alors attends. J'ai même pas assez pour un stockage. Composant électronique. Bouge pas. J'ai déjà joué à Technotica. C'est du... Oui, bien sûr, j'ai déjà joué à Technotica. Ben, on avait fait tout le contenu qu'il y avait il y a un petit moment. Hop. Conteneur logistique 2. Je l'ai pas mis sur YouTube Technotica, il me semble. J'ai pas fait la rediff sur YouTube. Donc. J'avoue. J'avoue. Comme ça. Donc. Je sais combien il fait à l'endroit. Voilà. Un petit stockage tampon. Comme ça, ici, ça va se cumuler. Les circuits imprimés, on va pouvoir faire une deuxième sortie. On le fera descendre et on le fera remonter après. Parce que les packs numéro 4, on va les faire là. On en a déjà deux, il nous manque juste les barres de firmalite. On fera une espèce de souterrain pour les faire. Alors on s'approchera au maximum. Hein. On s'approchera au maximum. Mais ça devrait aller. Alors dites-moi tout. Ça devrait quasiment être bon là. Ça devrait quasiment être bon. Ouais, ça va. Par contre, il va falloir que je booste mon énergie. Donc,
Mais longtemps, craft ou pas? 10 secondes. Ça veut dire que je vais en avoir une par seconde. On va faire d'autres tapis. Alors ça, je vais les dégager. Hein. C'est mes trucs de biomasse du début. Donc, on va arriver ici. Dès qu'on arrive à peu près à cet endroit, on va descendre sous terre et on va commencer à creuser des galeries. Il n'y a pas de souci de surcharge sur les tapis si tu branches en série, comme ça, comme sur cette liste. Non, ça va. Du moment que tu peux... comment dire? Parce que les tapis... peuvent avoir tant de d'objets à la minute, comme sur Satis. Et en série, ça se passe très très bien en fait. Ça se passe très très bien. Après, c'est à toi à bien calculer, hein, comme d'habitude. Après, sur Satis, normalement, si tu calcules assez bien, il faut mettre moins d'objets que le tapis que ce que le tapis peut supporter. Et il n'y a aucun souci. Ça, je vais les enlever. Je vais dégager la biomasse. Je vais dégager la biomasse. Ça fait... Il faut quoi pour les lampadaires? Parce que sinon, il va me faire chier pendant 2000 ans. Lampadaire, composants électroniques et tiges de technum. Ouais, ça va. Non plus la mort. Hein. Je fais pas des composants ici. À un endroit, non? Non, je fais pas de composants. Je vais lui faire faire sa quête. Oui, oh, ça va. Hein. Pas en train de râler. Hein. Mettre plutôt ici. Ouais, ça éclaire mon cul, hein, entre nous. Ah, oui, tu as éclairé ma lanterne. Tout me semble si limpide. Les phrases bateau, hein. Normalement, je devrais plus avoir de quête. Non, ça va, ça éclaire. C'est clair. J'ai été mauvaise onde. C'est clair. Ça va. Du tapis.
Hein? C'est pourquoi j'étais là-bas à la base. Du tapis. Et on va commencer à creuser. À creuser comme il faut. Vas-y, fais tout. De toute façon. Alors. Des bisous, ma Lolo. Il est tard, hein? Il est tard. Bon courage pour demain. Pourquoi j'ai ça ici, moi? Celui-là, il est pas à programmer sûr. J'en avais eu un en trop. C'est pour ça. Ici, j'ai fini la recherche. Bientôt. Donc, il faudrait. Je vais descendre ici. Je suis latitude 68. C'est en haut à gauche, hein, que je regarde. Si j'avance, ça augmente. Ce chiffre, et si je vais ici, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur la rangée 68. Des bisous, Thierry, à demain. La rangée 68. Ça va être quand même un beau bordel. J'ai de la place au moins. Ouais, ça va. Bon, de toute façon, c'est des trucs qu'on va supprimer. Donc, ici, c'est la construction. Toujours 25 000, hein. Là, c'est la vente. Donc, je vais pas partir de là. Demain, Thierry. Je vais pas partir de là, je vais partir de là. Voilà. On a le premier passage ici. Passage est ici. Et il faut passer après donc l'ascenseur. Qu'on devrait être bon. Là, on est à 30. L'ascenseur 34. Ouais, non, c'est bon.
C'était quoi le chiffre où je devais aller sur le deuxième? Ça, je m'en souviens plus. Le boulet, quoi. C'est 68. Et voilà, 68. Alors, on est à la hauteur 128. Faut partir de l'autre côté cette fois. Donc c'est à partir de là qu'on va descendre. Ça. Juste un petit moment. On est quoi? Descendre. Voilà, 128.
Allez, ça doit pas être long. Voilà. Voilà. Configurer les drones de maintenance. Oui. Ça, pour que ça fonctionne, il faut le mettre sur une dalle. Voilà. Donc ça, normalement, pour chaque drone, je crois que c'est 5 ou 10 lingots de fermalite. Ok. Alors le temps qu'il les vende et que ça redescende, là on a 140. On va commencer à en avoir pas mal. Donc par là. Ok, ça c'est le vendeur. Et après, t'en as un autre qui va atterrir. Donc on a demandé d'acheter surchargé. On est surchargé.
Je vais aller voir pour faire de l'énergie. Il n'y avait pas le... Si, celui-là. Transforme un grand transformateur. Pour 25 mégawatts. Va falloir que je fasse celui-là au lieu des petits là. Faut que je regarde au niveau du minerai pour mon énergie, est-ce que je suis encore bon ou est-ce que ça commence à être un petit peu trop léger? S'il y a moyen de rajouter un petit peu, pour être sympa, je mettrai le scanner en même temps. La tour demande beaucoup, c'est ça le problème. Je vais pas commencer à ban Wizbot, hein. Alors, ça s'arrête de temps en temps. Ça va commencer à être un petit peu trop léger. Hein. On va peut-être en rajouter encore. Ça, j'en ai pas, hein. C'est pas ça, c'est ça. 40 pièces de machine. Ouais, je peux en mettre encore une, mais après. Pièce de machine, pièce de machine. Conduite d'admission de liquide, ça j'en ai une, c'est bon. Les tuyaux, j'en ai. Auto-électrique MK1G, du câble G, normalement ça devrait être bon. Ah, c'est ça. Des plaques de xénophérite. Je dois en faire dans le coin, non?
Des plaques de Xenophérix. Ça, c'est du ciment. Plaque. Il me faut une pompe à eau aussi. La pompe à eau, elle est où? Et où la pompe à eau? J'ai la turbine, la batterie, chaudière. Oh putain, je la vois plus. C'est une chaudière. Ah oui, c'est une chaudière que je suis con. Que je suis con. Une chaudière. Donc, on va placer déjà en premier la chaudière. Ça. Ensuite, la turbine. On va mettre le poteau électrique. Voilà. On va mettre tapis, ça, bio et ça. Ça. Et merde, sauter trop loin. C'est pas T. C'est H. Et ensuite, on met ça. C'est bon. Ça s'arrête encore. Hein. Ça s'arrête encore.
Peut-être en mettre encore une. Donc on va refaire une turbine, une chaudière. J'ai ça et ça, c'est bon. Ça aussi. Juste un petit peu de fond d'art. On peut pas en crafter là des fonds d'art. Est-ce qu'on a des tiges de l'autre côté? Des tiges, j'en ai pas dans le coin. Je crois que je fais pas de tiges. Non, je fais pas de tiges. Je fais pas de tiges. Mais peut-être que ici, oui. Peut-être que ici, je fais des tiges. J'ai pas envie de repartir de l'autre côté pour revenir. Juste quelques fonds d'art. Alors, il s'arrête, ça veut dire que le conteneur est déjà plein. Voilà. Ça devrait me laisser assez de matière pour justement déverrouiller tout ce qu'il me faut. J'ai un conteneur en plus ici. Des tiges, je fais bien des tiges à un moment donné dans cette fabrique à la con là. Putain, mais c'est tellement grand. Là, je fais quoi là? Avec ça, là, ça va. Ah, les tiges, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Ça, on va se mettre encore une petite turbine. Et normalement, je vais pouvoir peut-être mettre le radar. Le radar à longue portée aussi. Là, ça me fait penser, il faut que je fabrique ça. Je sens que je vais fabriquer mais un truc, mais je vais faire péter la save. Hein. Pour nous, ça demande tellement de place, certains trucs. À mon avis, la save elle va avoir du mal à charger au niveau de la map.
Ok. Chaudière. Turbine. Câble. Ça s'arrête encore, hein. Ça s'arrête encore. Partir à la base. On fera pas les packs en 4 aujourd'hui. Lundi, je me remets dessus. On fera certainement ça lundi. Voir combien j'ai de lingots de firmalite là.
Il m'en faut 40 à la minute. Je devrais avoir largement assez. Arrête pas d'augmenter. Ah, ça bloque à 1000. Et... je savais pas que ça bloquait 1000. C'est pour ça que là, ça n'arrête pas d'augmenter. Ok, bon, au moins ça augmente. Hein. Ça reste en mode stockage. Mais pour quasiment 25 minutes. Alors, c'est gros comment ça? Oh, ça va. Sans déconner. Bravo quoi. Je demande 44? Ah ouais, je commence à... Ah oui! Là j'ai tout fait. On a baissé à 34. Du coup, il faudrait que j'augmente, il faudrait que je fasse encore deux autres turbines. Pour être bien. Faire ça et on sera quasiment bon. Pour l'instant, l'antenne, on va la laisser comme ça. J'en ai pas vraiment besoin de l'antenne, à part pour booster ce que je suis en train de faire au niveau du stockage, mais c'est tout. Je pensais que la fermalite, elle pouvait... pas de soucis, Tal, des bisous, passe une bonne soirée. Je pensais que la fermalite, on aurait pu la stocker un petit peu plus. Il va falloir que je l'expulse et... et qu'on regarde un petit peu.
comme ça. Lundi, on se focalise sur les packs rang 4. Et sur les recherches. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Alors, je vais sortir un petit peu d'ici parce que c'est un, ça fait un bordel. Bordel pas possible. Ok. C'est quoi qu'on a eu? On a eu des trucs nouveaux. Hein. Alors on a eu ça, la lumière portative. On a pas besoin d'électricité, peut être placé partout. Mais il y a quelque chose que on a débloqué. Ah, c'est ça. C'est ça. Câble de données. Ça, c'est un soutien du système de données. Ah, c'est un système de programmation. C'est un système de programmation. Bon, ça va être... Jetpack, système de câble de données. Le système de câble de données permet de lier plusieurs machines et de créer... Non, c'est... Et de créer une logique comportemental personnalisé en fonction de conditions. En cas d'usage typique consiste à contrôler à distance, activer et désactiver des machines. Mais il peut être utilisé pour un large éventail de situations. Créer des conditions logiques personnalisées n'est pas une obligation dans Foundry, mais elles sont souvent utiles pour les joueurs expérimentés souhaitant un plus grand contrôle. Exemple, désactiver les machines dès qu'un connecteur est rempli au-delà d'un certain niveau. Et brûler et détruisez les objets avant qu'un connecteur dérobe en contrôlant à distance les convoyeurs chargeuses ou les pompes. Putain, je... Il est tard, j'arrive pas à capter. Contrôler les lumières avec un interrupteur, ça pourrait être pas mal. Créer des compteurs personnalisés pour connaître le nombre d'objets créés. D'accord, on peut gérer le nombre d'objets que l'on veut créer et envoyer le nombre de d'objets, je suppose. On veut... Putain. Ah oui, il s'est lâché. Priorisation de générateur. Détaillé en fonction des conditions personnalisées comme la quantité de remplissage des batteries, cas d'utilisation créative telle que l'activation des lumières en fonction de l'heure de la journée. Ah ouais, ce sont les objets que vous pouvez construire et sont similaires aux tuyaux, mais il n'y a qu'une partie qui se connecte automatiquement à tous les câbles de données alentour et aux machines avec des connexions de câbles de données. Interaction et configuration. Tout à fait, Willow. Tout à fait. D'accord, on connecte une chargeuse à la machine
Dorénavant, votre chargeuse arrêtera de fonctionner dès qu'il y aura plus de 200 objets dans le connecteur logique. En faisant cette machine. Donc, au-dessus de 200, ça s'arrête. Ok. Oh, il y a des trucs et tout. Oh là là. Oh. Ah, il va falloir que je teste tout ça et qu'on fasse des tests avant la méga base. Alors, j'ai pas assez de fond d'or. On est à la limite, hein. On est à la limite. J'ai plus de tuyaux là? Si. On a ça. Ok. Alors, ça dit quoi? C'est bon, on n'est plus en surcharge.
C'est parce qu'on a débranché l'antenne. Hein. L'antenne, c'est 10 mégawatts. Hein. Il en faudrait 3 comme ça, juste pour l'antenne. C'est bon. On la rebranchera quand on commencera la méga base. Je la laisse pour l'instant. Elle gêne pas. Elle est en plein milieu, elle prend énormément de place, mais elle gêne pas. Et ça, on l'a fait. On doit être juste, hein. Et on n'a pas commencé les packs de rang 4. Ça va être drôle. Je pense que lundi, j'essaierai de rebooster au moins l'électricité, au moins avec 2 turbines supplémentaires. Au moins pour faire les packs de rang 4. Et ensuite, une fois que j'ai full rang 4, je fais des packs rang 5 à la mano. Normalement, c'est possible, hein. Hop. Ouais, on peut les fabriquer sur moi. Il va m'en falloir 200. Ceux-là, je les aurai. Il va m'en falloir 200. Je fabrique ça. Je débloque les tours de forage. Et ensuite, on voit pour le reste après. Recyclage. Les hauts fourneaux. Base de hauts fourneaux. Je sens qu'on va faire une centrale d'énergie monstrueuse. Après, l'inconvénient, c'est que on est obligé de positionner, que ce soit les cubes ou toutes les machines, sur dans les sens cardinaux. On peut pas faire une diagonale. C'est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'on peut pas faire de rond. Malheureusement. Après, c'est plus facile pour le dev. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Il se fait pas chier. En ligne. Réseau. Ok. On a quand même une petite marge. On a quand même une petite marge. Normalement, on peut aller jusqu'à 36. On pourrait peut-être même mettre les trucs en ligne sans problème. Donc, c'est pas dégueu les lampadaires. J'avoue que c'est pas dégueu. Attends, ça avance plus? Combien on peut stocker ça? Ça m'étonnerait que j'en ai 25 000, hein, mais à mon avis, ça risque d'être 1000. Hein. Ah, si c'est que 1000, je suis presque déçu là. Après, c'est quand même pas mal, hein, mais ouais, c'est 1000. C'est 1000. Là j'en ai 6. Alors là j'ai déjà le 1, le 2, le 3. Je ferai passer le 4 ici.
histoire 2. Pour le 5, je le ferai à la main. Et après, on essaiera de se faire un plan justement pour envoyer du lourd, simplement. C'est ça que je voulais voir. Normalement, je devrais avoir assez d'énergie pour ça. Consommation énergie 1,8. Initiation max 5. Non, moi je suis à 3 mégawatts. Ah ouais, j'ai pas assez. J'ai pas assez, il va falloir que je booste. Ouais. C'est bon. Dès que j'arrive à 1, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je dois pas avoir. Je suis limite limite. Hein. Je suis vraiment trop limite. Bon bah je pense que lundi, on se fait une double turbine. On booste. Histoire de voir peut-être pour ça. Et ça va me coûter cher. Hein. Ça va me coûter cher. Je préfère faire le pack rang 4 avant ça. Je pense que ça devrait être plus rentable déjà. Donc là, le but est de fabriquer les packs ici. Sur cette zone-là. La fermalite est à côté. Donc on la fera sortir... proche d'ici, hein, mais en mode sous-sol. On a les circuits imprimés et les cellules d'énergie juste de l'autre côté. Juste là. J'en ai un petit peu sur moi, faudrait que je m'en débarrasse. Donc ça devrait être pas trop mal. Ça devrait être pas trop mal. Là, je vais pouvoir en mettre 10 assembleuses. Une nouvelle fois. Assembleuse MK2. Ça consomme 125. Ah oui. C'est pas grave. On mettra les turbines avant. On mettra les turbines avant. Ensuite, on met les assembleuses. Donc il va vraiment falloir 10. Normalement, ça devrait largement être suffisant. Il va y avoir du tapis. On fait partir le tapis comme ça. Celui-là, on le fait partir là. On fait passer en dessous, on le ressort et on le met tout droit là, ici. On sort la fermalite. On fabrique et on envoie directement pour analyse. Et ensuite, on fonce directement vers le pack scientifique. De toute façon, on sera obligé de passer par là. Pack scientifique. Donc, il nous faut ces deux-là, plus processeur. Donc, il va me falloir ça. Ces deux-là et ici. Une fois que ça, je l'ai débloqué. Après, on voit pour un petit peu tout le reste. Il va y avoir des chaînes de montage. Non, ça.
Efficacité du chevalier de pompage. Ouais. Donc on aura les assembleuses MK3. Fusion firmalite pour les feuilles de firmalite. Donc la firmalite liquide, il nous faut des barres de firmalite pour pouvoir créer justement le liquide de firmalite avec un four à arc électrique. Donc il va falloir mettre ça en place vite fait. Une statue de moi. Donc on a les monts de charge MK2. Le mont de charge, c'est 320 objets. Celui-là, c'est 640. On va pouvoir enfin débloquer les tapis MK3. Les connecteurs logiques. 32 emplacements. Celui-là, il fait combien? 16. Ah oui, putain, le double. C'est bien ça. Ça, c'est bien. On va pouvoir commencer à débloquer quand même pas mal de trucs. Un peu plus d'inventaire, plus 10. Là, il me faudra le 5, hein, mais. Bon ben, la prochaine fois, on commence une nouvelle étape. Hein. Une nouvelle étape. On commencera à mettre en place justement pour faire le 5. On va aller faire à la main. 200 packs scientifiques rang 5, ça devrait pouvoir se faire vite fait. On essaiera de faire vraiment le maximum. Comme ça, une fois qu'on a débloqué ça, on cherche un endroit où se positionner. Alors, je trouve ça dommage qu'on puisse pas agrandir la map. Alors, de toute façon, peu importe là où on va se mettre. Alors, moi, j'aimerais bien une grande étendue d'eau. Une très grande étendue d'eau. Ici, ça me paraît pas trop dégueu. Une grande étendue d'eau, on va se mettre avec des piliers qui tombent dans l'eau. Un truc colossal. Hein. Ça va être vraiment un truc colossal. Moi, mon petit starter, c'est ça. Dites-vous que la base, elle va faire ça, quoi. Ça va être mais complètement immense. Complètement immense. Là, il va falloir faire, par contre, la fabrication automatique du béton. Oui, Chris. Ou une aide. Oui. Ouais, il va falloir faire. Parce qu'avec le béton, celui-là. Alors, on a aussi le sable, hein, mais avec le béton, je crois que c'est celui-là. Béton. Béton dalle. Non, c'est pas celui-là. C'était lequel? Ah, c'est là. Décoration. Alors, en mode décoration, là, on a du marbre. Je vais vous en faire un. Si vous voulez. Il y a cube. Et après, vous avez toutes ces formes que vous pouvez fabriquer. Alors, ça reste toujours en mode cube. On peut pas faire de diagonale, mais je pense qu'avec ça, on pourra essayer de faire quelques formes assez sympathiques. Pour faire un igloo en verre, comme je suis en live, si mets ton son, ça risque d'être compliqué. Oui, tout à fait. Pour faire un igloo.
Du coup, on va s'arrêter là. On va se faire un petit raid. À plus tard, des bisous! Bon, on va aller chez Chris. Histoire de... Hop. Bon les amis, on se laisse là. Demain, du Satis. Il va y avoir de la déconstruction et vraiment une construction que j'ai jamais faite. Pour le coup, ça va être un petit peu unique. Je sais pas si quelqu'un l'a fait. Mais on va essayer d'avancer quand même pas trop mal sur cette construction. Lundi, je referai du Foundry. Comme ça, on avance un petit peu plus au niveau de Foundry. Parce que j'ai un petit peu de retard et j'aimerais bien avancer de ce côté-là. Once Human, je sais pas quand est-ce qu'on va y jouer. Peut-être à demain, Willow. Des bisous, passe une bonne soirée. Once Human, sûrement deux lives grand max. On est sur la fin. Je sais qu'on pourra pas finir la première saison. À voir pour la deuxième. On verra bien. Pour l'instant, je préfère avancer sur mes jeux et la deuxième saison parce que je crois que c'est PVP d'abord au niveau de la deuxième saison. Mais bon, bref. On verra bien. Sur ce, je vous dis passez une bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.